petite vidéo, nous allons voir comment dessiner en 3D une calotte ellipsoïde, donc comme une demi-sphère, mais une demi-sphère elliptique. Alors, nous créons un nouveau document, nous allons dans Task, on va dans Part Design, on crée un body, on crée un sketch, on va dans XY, le plan horizontal, on va demander dessiner avec une ellipse, on la centre, je la tire vraiment bien là, et je la tire vraiment bien là. Voilà, maintenant je vais prendre la droite, un segment de droite que je vais tirer ici, et que je vais tirer là. Maintenant je vais prendre la paire de ciseaux qui est ici, j'enlève ça, et j'enlève ça. Voilà, comme j'ai envie de faire une ellipse de 20 mm de diamètre, entre guillemets, je vais lui mettre une contrainte horizontale entre là et là de 10 mm. Voilà. On va terminer avec ça. On sélectionne que la partie horizontale de l'ellipse. Je vais demander de faire une révolution sur l'axe horizontal de seulement 180 degrés. Voilà. Maintenant, je peux changer la forme de mon ellipse, la faire plus patatoïde, par exemple. Si je la fais plus patatoïde, voilà. Elle est plus patatoïde, elle ressemble plus à une demi-sphère. Et si je la fais plus plate, plus fine, voilà. Là, on voit bien qu'on peut changer le volume de la sphère, le volume de l'ellipse pour faire ce que l'on vit, comme sphère 3D calotte. Voilà, c'est terminé.